Allô? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est toi, ma poule. Allô, c'est moi. Tu me reçois, j'espère, quand même. Ouais, t'inquiète, 5 sur 5. Bon, c'est cool. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai entendu une petite voix assez moche. Un gros bourrin avec des yeux tout moches, apparemment. Non, en fait, c'était ta mère. Non, je rigole. C'était le barbu du village, le chef, l'espèce de gourou. Je sais pas ce qu'il m'a voulu, il m'a attrapé par la corde et il m'a dit les conséquences. Les conséquences de quoi? Conséquences de ta mère, imbécile. Mais je sais rien, comment tu veux que je le sache? Vraiment, tu me chopes à la gorge et me fais consequences et c'est tout. Comment tu veux que je le sache? J'en sais rien, pas plus que toi. Moi non plus, hein. Au fait, tu l'aimes bien, Krunigan? Krunigan? Ouais, ça va, il est plutôt sympa, plutôt calé dans le domaine. Ah, bah tant mieux, parce que tu vas souvent lui parler, apparemment. Ah, je préfère. Oh. Alors. Oh, du cannabis. Magnifique. Merde. Hop, carotte. Bon, allez. Salut, ma couille. Tranquille, biche. Putain, je te pisse à la radio. Oh, je vais aller chier. Les toilettes sont où? Oh putain, j'arrive pas à pisser, mais c'est de la merde ce truc-là! Oh là là, et c'est quoi ça? Enculé, tu m'empêches de chier tranquille, toi, non? Tiens, je te traitonne, enfoiré. T'as vu ce que je te fais? Je te traitonne. Tiens. Je te traitonne un autre coup. Pédé. Ici Krunigan, je suis de retour. Je prends la relève sur Unigan. Ah, bah c'est tant mieux parce que je commençais à. Ah, je pruffonne aussi. Je commençais parce que je commençais à m'ennuyer, moi. J'en aurais marre d'être pruffé avec toi, ça. Je pruffé tout le temps. Ouais, j'avoue, c'est lourd. La pruff, c'est une discipline qui se fait souvent. Hein, c'est normal. Ah, au final. Depuis quand les zombies ont de la littérature chez eux? Ouais, c'est la maison du gars là, qui m'a chopé. Conséquences. Ah, à votre place, je rentrerai dans la maison. Pas mal joué. Je vais te refaire ta coupe de merde. Putain, il me court. Il me court, ce bâtard. Putain, ça fait flipper. Oh, nique ta mère, toi. Je vais te refaire ta coupe de cheveux. Ah, regarde, enfoiré de ta race. Regarde. Parce que là, c'est vraiment affreux. Ramasse! Allez, ramasse toi. Vous avez vu mon super pistolet? Oh ma tête. Il est beau, hein? Ah oui. Tiens, allez hop, bisous. J'ai bien fait de vous passer une de ces armes comme. Parce que bon, le canon, c'est vrai que c'est une arme assez imposante, mais bon, quand on se la prend dans la gueule, on se dit toujours que c'est sympathique quoi. Bah, je vais la garder encore un petit bout, puis après je reviendrai avec mon pistolet. Ta mère à toi. Hop, ta gueule. Chier. Oh! C'était Ségolène Royal, vous êtes fou de la tuer! Ouais, non, mais de toute façon, elle est pas passée aux élections, alors à quoi ça sert de regarder? Hop là! Ah! Qu'est-ce que c'est? Des pétunias? Génie. Merde! Bonjour, je m'appelle Pétunia. Putain! Voilà, bon. Un peu d'argent. Je vais aller sur le. Oh! La sœur à Ségolène Royal! Oh, attends, regardez, je vais leur balancer les œufs. Non, faut en garder un, puis je vais les balancer. Tiens. Oh, mais vous avez tué la sœur à Ségolène, mais vous êtes vraiment fou. Vous voulez vous mettre toute la République à votre dos? Ne bouge pas! Mais tu prends pour un con. T'as fait le con, t'as su. Bon, je change d'arme, parce que c'est un peu chiant. C'est trop facile, il meurt tout de suite du premier coup. Allez, offenez un peu. Ouais, que je fasse un peu. Ah, bien joué, tourner magique pour faire disparaître la planche.